J'ai connu, madame, une dame. Moi, j'ai un petit paysan, aussi grand de cœur et d'âme que la plus grande et fine lame, mais pleine d'esprit. Jugez-en. Un soir, mon âme était complète. Comme dit, après avoir bu, le jeune homme qui fait la fête. De vrai, je n'avais plus ma tête. J'étais totalement fourbu. J'avais l'esprit un peu morose. Je ne sais ce qui traversa ma cervelle, pour quelle cause. Comment perdîtes-vous ta rose? Oui, madame, contez-nous ça. Ah, que notre bêtise est grande, doux Jésus, amour de Sion. Ma langue à vous se recommande. Oui, car pourquoi cette demande? Ou plutôt cette question? Comment prédites-vous ta rose? J'attendais, maintenant quoi? Alors, tout doucement, sans pause. Comme on dit, hélas, quelque chose en songeant n'importe quoi. Bien simplement, répondit-elle. N'est-ce pas céleste et charmant? Cette réponse est immortelle. Je voudrais d'un flot de dentelle encadrer ce bien simplement.